manquait ensuite de ressources pour faire sa double rotation. Et ça lui vaut une note de 9,050, dit Rem au saut de cheval. Sans plus attendre, on retrouve l'italienne Alice Capitani pour son passage à la poutre. Sans plus attendre, ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas aussi sans transition, je crois. Aussi. Il y a aussi. Donc à la poutre d'équilibre, Alice Capitani. Flic-flac, flic-flac. Flic-flac vrillé. Saut avec une pirouette complète. C'est un mouvement qui manque pour l'instant un petit peu de rythme. Bah, en général, à la poutre, hein, ça manque quand même un petit peu de rythme. Souvent, oui. Rares sont les athlètes qui maîtrisent à tel point leur art qu'elles puissent inclure l'acrobatie dans leur chorégraphie et emmener tout ça comme un petit peu comme un mouvement au sol. C'est un mouvement qui dure entre 70 et 90 secondes. Donc c'est vrai que parfois cela peut paraître un peu long. Attention. Rondade. Double vrillé demi. Malheureusement, réception. Chute à la réception. Chute. Elle est un petit peu hors de forme. Enfin, tout peut s'expliquer. C'est étonnant de voir les juges applaudir. Ils encouragent aussi. Ouais. Qui sont les juges masculins? Les juges qui vont juger la jeune fille, eux, ont le crayon au bout de la main. Et regardez ici, manque de renversement. Elle est restée coincée sur l'avant.